Parler de ce projet de danse, moi qui ne suis absolument pas danseur, qui n'ai jamais dansé, qui ne fait pas de sport, j'ai trouvé ça incongru et je me suis dit, allez, hop, c'est un pari plutôt qui peut être lancé. Et en même temps, je trouve que, alors que la culture est à ce point attaquée de toutes parts, eh bien, je me suis dit, participer à un projet qui prend à contre-pied toutes ces politiques de casse et de bris de la culture, eh bien, chiche banco, déjà parce que le projet est intéressant, mais en même temps parce que je pense que c'est un acte encore militant. Si, lors de la première semaine, je ne voyais pas trop où on voulait en venir, on nous parlait de matière, et puis lorsqu'on a entamé les premiers mouvements, j'ai commencé à saisir du doigt, toucher cette matière, véritablement à la voir se mettre en place sur le plateau comme chorégraphie. Alors là, ça a été une révélation. Honnêtement, On est là pour la même chose, donc on va dans le même sens. Et c'est beau, c'est vachement humain d'être tous différents, avec des âges, des corps différents, des expériences différentes. C'est super enrichissant, je trouve. Ok, là, ça bouge plus. Et on attend le signal de Maxime. Oui, il y a la danse, mais en même temps, c'est très... C'est simple et... Ouais, c'est sur l'être, quoi. Ouais, c'est humain, ce qu'il nous demande de faire. Donc... Voilà, échappé de Sandy. La danse qu'on propose n'est pas une danse au sens... technique du terme, c'est pas une danse virtuose, savante, c'est une danse vraiment liée aux gens, au corps quotidien, aux petites choses qui sont déjà en nous. Donc c'est ça qu'on vient chercher avec les gens, on travaille sur des choses qu'on pratique déjà tous, et si danse il y a, c'est parce qu'on essaie de l'organiser. Donc, je rappelle juste, ça fait chien de fusil, coude, otari, c'est ça que j'appelle otari, on repousse dans les mains, il passe aux quatre pattes. La tête vers le public, et donc pied gauche et pas pied droit, excusez-moi, j'ai fait la faute dans le truc, pied gauche, pied droit, sur nous, ça remonte, poitrine. Ils ne demandent pas qu'on danse, ils demandent qu'on soit appris à faire une gestuelle, à s'intégrer avec notre corps, avec le corps qu'on a et avec la gestuelle qu'on a. Donc c'est pas une question de niveau, c'est plutôt une question de disponibilité et d'envie. Ce qui, moi, me touchait et m'intéressait, c'est que c'était très ouvert et qu'on allait pouvoir travailler dans l'improvisation et que, surtout moi, vu mon âge, j'allais pouvoir être intégrée dans leur travail. Ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ma place, je m'intègre. Quand je ne peux pas m'intégrer, ils m'ont trouvé des positionnements ou des situations dans lesquelles je suis dedans quand même. Et je trouve ça génial. Et l'ambiance du travail est très créative, très joyeuse. Il y a une cohésion, parce que tout le monde va dans le même sens. Tout le monde va dans le sens de se laisser faire, de se laisser aborder, de participer, d'apporter quelque chose. On se sent très à l'aise. Pour nous, le spectacle vivant, c'était un alibi, c'était un moyen, comme un autre, d'aller à la rencontre des gens, de partager des choses avec des gens. Pour nous, le plateau a quelque chose quand même de particulièrement intense. Et du coup, on a essayé de trouver un cadre en gardant cette éthique-là pour favoriser des ponts et oser des rencontres entre des jeunes, des moins jeunes,
des professionnels, des amateurs, des hommes, des femmes, des souples, des moins souples. Je vois pas de différence entre ceux qui ont déjà pratiqué de la danse et ceux qui n'en ont jamais fait. Parce que il y a trois professionnels qui, avec leur générosité, leur attention, leur écoute, leur regard, leur délicatesse, ont su nous amener avec nos possibilités, nos différences, nos capacités, en fin de compte, en nous prenant tels que nous sommes, eh bien, nous faire grandir jusqu'à un point énorme. Et en fin de compte, sur scène, on ne verra pas qui est le danseur professionnel, de qui n'en a jamais fait. Ce spectacle est vachement basé sur le partage. C'est-à-dire que déjà les trois instigateurs là, du projet sont déjà de base des gens qui remettent en cause leur travail. Parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ce truc-là, mais ils prennent un temps très important pour repartir sur les bases et reconstruire et quelque chose de nouveau. Donc en soi, c'est quelque chose qui est très sain. Très, on prend le temps, on construit ensemble, et du coup, on fait des choses qui avancent brique par brique. Ils sont hyper attentifs, très contenants, très prévenants, très... mais en même temps, ils nous bousculent, quoi. Ils nous, on n'est pas du coton non plus, quoi. Et ils nous font aller dans des choses à la fois sur nous, c'est un retour sur soi et en même temps une ouverture sur les autres. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal aussi dans ce qu'on a travaillé avec eux. Il opère d'une manière un peu ce qu'on appelle en théâtre le masque, mais voilà, il opère d'une certaine manière d'une sorte de mise à distance de soi. Et ça, c'est une belle découverte. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où on n'est pas là pour exposer les gens, on n'est pas là pour les mettre en danger intimement. Donc ce masque-là, comme le costume, il participe aussi à cet effet-là, un peu d'écran protecteur, en tout cas pour les premiers moments au plateau, il a vraiment cette qualité-là. Appel à des amateurs ou enfin des gens comme ça, ouais, ouverts à tous. C'est un beau symbole. Je trouve ça très fort que les jeunes chorégraphes veuillent intégrer des gens de mon âge, des gens de tous âges, et des gens de mon âge aussi, et des corps très différents et des gestuelles très différentes. Je trouve que ça a un sens au-delà de la prestation artistique. Ça a du sens dans
dans quelque chose de social, de vivre ensemble. Et ça, j'apprécie beaucoup et profondément. Bravo, enfin, moi j'ai été très touchée, très touchée. Leur humanité, leur générosité à tous les trois là, cachés derrière nous, c'est ce qui nous a permis d'être comme ça. Ils avaient toujours, mais toujours le moment près de nous. Dès qu'il y avait un petit truc, ils venaient, ils sont disponibles, c'est juste magique. Mais ce sont des magiciens ces trois gars là, des faiseurs de liens humains. Et moi, personnellement, je pense que c'est valable pour tout le monde. Ils m'ont fait revenir à ça, à moi et les autres, nous tous ensemble. Et à sentir ça dans le cœur, dans la tête, dans le corps. Et ça, c'était vachement bon. Votre spectacle, c'est vraiment magnifique. Et entre l'esthétisme des corps et des mains, j'ai trouvé que le travail juste sur les mains et sur les pieds, c'était vraiment quelque chose de merveilleux, quoi. C'est toute l'humanité, moi c'est mon sentiment, on le sentait à travers ces deux choses extrêmes. Et voilà, je voulais juste vous remercier pour ce spectacle magnifique. Et on sent que voilà, c'est pas simplement un spectacle. C'est autre chose, c'est du lien, c'est de la générosité, c'est du partage, c'est de l'amour aussi, hein, puisqu'on a vu les cœurs battre. Hein. Donc voilà, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée, et merci. Moi, je voulais m'adresser aux citoyens. Le besoin de culture, c'est extraordinaire, parce que quand on voit des professionnels et des amateurs et un public qui arrive à faire une chose pareille, c'est extraordinaire. Il faut se battre pour que la culture reste et fonctionne. C'est extraordinaire ce qu'on voit là. C'est, voilà.